Salut à tous, c'est Tom, alors nous voici dans une toute nouvelle vidéo sur une séquence rétro sur un jeu que j'attends depuis super longtemps. Je parle de Minion Madness 3. Et oui, le troisième qui est sorti uniquement sur Xbox. J'ai réussi à le faire marcher sur PC, ça fait des années que j'essaye de le trouver et aujourd'hui je vous le présente sur la chaîne. Dans le jeu, on a les missions infiltrées qui est tout simplement le mode campagne, donc on enchaîne plein de petites missions et on a course unique, donc voilà, pour faire des courses en dehors de la campagne. On a le mode de balade qui permet d'être libre, comme à la façon The Crew, comme TDU, c'est le même principe. Et on est dans deux villes, Paris ou Washington. Course éclair, c'est une course contre la montre, hein, c'est mal écrit. Et point de contrôle, c'est une course traditionnelle. On va faire un petit point de contrôle. On va aller dans Paris. C'est très rare d'avoir Paris dans un jeu. On va faire quand on arrive en ville, ouais, qui a l'air d'être pas mal. On va faire ça. On a une petite R5, une petite française. C'est assez sympa. On a une Opel Astra, donc oui, sur les Minion Madness, on a les marques. Et c'est vrai que c'est des voitures atypiques qu'on peut retrouver dans un jeu de course. Un petit taxi à la Washington et un camion poubelle. C'est assez spécial, hein. On va faire la course avec un camion poubelle. Et on a la petite RSI, voilà, New Beetle. Et honnêtement, on va peut-être faire la R5, on est sur Paris. On va peut-être changer la couleur. Tiens, en rouge, ça passe bien. Allez, c'est parti. Là, je suis un petit peu en format HD, en fait. Donc ça lag un petit peu parce que c'est un peu de mal. Faut avoir une grosse config, malgré tout, pour faire marcher. Là, mon GPU, il prend cher. Hein. Mais on reconnaît quand même les immeubles haussmanniens de Paris. Bon, cette Cadillac devant qui a rien à voir avec Paris. Voilà. Ah, ça lagouille. Ça lagouille un peu, hein, mais... Parce que j'enregistre en même temps et j'avais jamais fait le test, en fait, avant. Mais sans l'enregistrement, c'est un peu plus fluide. Un petit peu plus. Là, on est en format HD, donc c'est pas du tout le format de la Xbox. Format original, donc là j'ai upscalé l'image pour qu'elle soit de meilleure qualité, mais du coup elle lag plus. On fera une deuxième course tout à l'heure en format SD traditionnel. Là on arrive près de l'Arc de Triomphe. Ah, course perdue, dommage. Bon, je suis quand même quatrième. On va faire la course suivante et cette fois on va prendre la New Beetle. Donc là je suis en format SD comme sur la Xbox. C'est légèrement plus fluide. Là, c'est du mal avec le son. C'est de l'émulation, hein, faut le rappeler. Hein. Paris est vraiment réduit au minimum au niveau de la taille. Vous voyez, ça c'est la carte. Ah, on voit la tour Eiffel dans la pénombre. Ah, c'est chaud quand même, hein. Bon, c'est chaud en même temps quand c'est pas fluide comme ça. Voilà, on a la tour Eiffel juste derrière nous. Ah, ouais, c'est par là. Je suis deuxième. Faut que je gagne quand même cette course. On a 5 sur 8. Allez, face à ton Audi là. Voilà, c'est bon, je suis devant. Ah, il faut quand même gagner ça, cette course. Allez. Donc là, on a quelques bâtiments emblématiques, bien sûr. On a vu l'Arc de Triomphe, on a vu la Tour Eiffel, et aussi Notre-Dame. Voilà, c'est bon. Voilà, j'ai gagné. Bon, en même temps, j'avais une voiture pétée. Hein. Madeleine est dernière. Oui, là, c'est vraiment des noms typiquement français, hein, pour le coup. Bon, cette fois, on va faire un point de contrôle à Washington. Donc comme ça va changer un petit peu. On va faire la course en tunnel. Ouais non, bonne course en tunnel. Parce que bon, les tunnels c'est pas ouf. Et là on va tester justement le taxi. Eh bah oui, bien sûr, il n'y a que des taxis. Bon, les cartes ils sont relativement grandes, ça va. Enfin pour l'époque, hein, c'est 2003.
Désolé pour le son, hein, des fois qui sature à mort. Faut rappeler que c'est de l'émulation, hein, donc ça essaye de retranscrire ce qui se passe sur l'Xbox. Sachant que l'émulation d'une Xbox c'est extrêmement compliqué. Et d'ailleurs c'est un jeu Microsoft. Et oui, c'est un jeu développé par Microsoft. Comme le 1 ou comme le 2, c'est pareil. Et c'est pour ça que je vois Flight Simulator 2020 revenir. Je me dis pourquoi pas Midnight Madness, une nouvelle licence. Oula. Oula, oula, oula. Non, je suis bloqué. Ah. A few moments later. Désolé. Voilà, j'ai bloqué les IA. Bon bah voilà, c'est bon hein. Par contre, Andy, là, on le voit plus. Hein. Ouais, il est tout là-bas. Ah, je vais finir deuxième, c'est pas grave. Ah, non, je voulais pas faire ça. Ah, le fail. Ah bah, d'accord. Ils se sont pris le terre-plein, comme moi. On est des fous. Pour ça, c'est Madness. Pour ça, c'est Midnight Madness, d'ailleurs. Madness veut dire carrément fou. Oui, les gens, ils sont fous. Fred. Non, bon, course perdue. Ouais, bah, je suis quand même troisième. C'est bien un troisième. Et enfin, je peux tester le mode balade. Donc là, c'est vraiment personnalisé. On peut se balader partout dans Paris. Là, c'est ce que je vais faire. Je vais mettre tout à fond au niveau de la densité. On va voir si mon PC suit. Voilà, donc du coup, je me suis mis en rendu x2 pour une meilleure vue. Vous voyez, l'arc de triomphe qui est pas mal modélisé. Hein. Bon là, il faut savoir que là, je suis en upscale HD. Vous voyez là, on a une petite bouche de métro, je crois. Et un petit M. Non, c'est pas ça. Ah si. Est-ce qu'on peut rentrer dedans? Et yes, on peut rentrer dedans. On peut pas aller plus loin, je pense. Ah si, peut-être. Voilà, je détruis le système de la RATP. Et si on peut descendre encore? Oula. Bienvenue dans le métro parisien. Voilà. J'attends le métro. Je peux aller sur les voies. Ça a changé de lumière d'un coup. Voilà. Je prends le métro. Voilà, ça c'était le métro. Ah, il y a les flics qui me suivent au-dessus apparemment. C'est n'importe. Je vais sortir. Ah mais il y a les flics qui sont arrivés ici. Sérieux? Et voilà. J'échappe aux flics dans le métro. Ah, je pense que ça sera le titre de la vidéo. C'est bon. Je les ai semés. Yes, c'est bon. C'est n'importe quoi. Oh purée. Voilà. La lumière du soir est vachement cool. Hein. Ça passe super bien. Ah oh, c'est bien foutu. Hein. Vraiment. Regardez comment c'est beau. Ah désolé. Je croyais que ça se cassait. Alors le Louvre. Je sais pas où il se trouve là-dessus. Ah bah c'est là. Voilà. Bienvenue au Louvre. Avec la petite pyramide. Bienvenue au Louvre. Je vais monter sur... Est-ce que je peux monter dessus? Non. Non, je peux pas. Il y a des flics qui me suivent encore. Ah, il y a plein de flics. Oh, c'est un bordel sans nom le son. Désolé. Hein. La tour Eiffel, elle est là-bas. Voilà la tour Eiffel. On la voit pas. Pas le haut. Ah, oh, c'est horrible. Je veux mourir. Mes oreilles veulent partir. C'est horrible. On n'entend même plus la musique. Voilà, c'est bon. Je suis mort. Ah, oh, mes oreilles, c'était horrible. Ah, oh, le silence. Le silence. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Ah les flics, comment ils ont saoulé, c'est n'importe quoi le son.
Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, bien sûr, à mettre un pouce bleu, à vous abonner. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Salut !